on a fait la tondeuse. You see the drip and fade it up. Hey, salut, nouveau vlog. Bon, j'attaque sur une petite galère. Non, je déconne. Franchement, c'est une galère. Je suis dans le jacuzzi. Julie, elle a été voir si les petits allaient bien. Et on attaque. Comme ça, donc on est dimanche soir. D'habitude, j'attaque mes vlogs le lundi matin. Là, je me suis dit faire le dimanche soir. Sachant que, voilà, de temps en temps, on aime bien avoir un petit moment à nous. Donc, tranquille, dans le jacuzzi. C'est le printemps. Ça annonce une belle saison. Ça va être lourd. Et pour tous ceux qui sont intéressés, voilà, pour obtenir un spa ou quoi, moi j'ai pris chez Spa Alina. Vous avez mon code promo qui vous donne accès à 250€ de produits en plus. Donc, si vous commandez un spa, c'est l'entretien. Tiens, la mise en eau, faut mettre des pastilles de chlore, etc. Donc c'est comme une piscine, vous avez ça offert gratuitement avec mon code. Et voilà, moi c'est vraiment un kiff. On avait dit si entre j'avais le choix entre un spa et une piscine, je pense que je préfère encore le spa, c'est vraiment un plaisir toute l'année. Après bien sûr on a la chance d'avoir les deux, donc c'est cool. Mais voilà, elle arrive, on va se mettre le petit film, je vais vous montrer ça. Vous refusez de vous asseoir devant une duchesse. On est bien, on est avec bien. Vos services sont compris. Lundi matin, on va où? On va chez qui? Chez Nounou, ouais. Donc là, c'est parti ce matin. Réveil, un petit peu d'étirement. Je posais un peu, les petits se réveillent. Les biberons. Et là, on va les poser à la Nounou et comme ça après. Training. Deux enfants, un seul jouet. Même Einstein, il peut pas répondre à cette problématique. Prête-lui, Jani, s'il te plaît. Oh là 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 là. Ça me fait rire, c'est pas bien, ça me fait rire. Prête-lui, Jani, rends-lui, s'il te plaît. Tiens, Jovan, dis-lui, tiens, mon frère. C'est gentil. Lundi matin, c'est pas un truc de dingue. Allez, on s'échauffe. Échauffement la Sisoun, oui. Overhead squat. Donc là c'est parti, qui dit lundi matin, dit jambes, je parle body, jambes bras. Mais bon, le futur ça va être les jambes. T'es chaud? Ouais. On essaie de se motiver, mais c'est dur. Ça va bien, ça va bien. C'est dur. I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? On a fini les jambes. Passer aux bras, normalement. J'en peux plus. J'étais là, voilà. Moi je dis je transpire pas trop. Allez, maintenant on s'est entraîné. Moi je termine les bras et c'est à Julie de s'entraîner. T'es prête, babe? Ouais. Elle s'échauffe. Elles m'ont dit pourquoi Julie elle a un coach alors que t'es coach? Voilà, coach la 6 sur Lyon. Et bah si vous voulez qu'on reste marié longtemps, c'est mieux. Allez babe. Allez, j'ai pris la douche. Alors oui, je me douche, j'ai pas filmé. Ça me faisait rire, je propensais une fois dans un vlog, je dis genre lundi c'est le jour de la douche. Il y en a qui m'avaient envoyé des messages, il y en a plusieurs en plus. C'est sérieux, tu te douches que le lundi et tout. Alors non, je me douche tous les jours et je vous conseille aussi de vous doucher tous les jours. Surtout si vous allez en salle de sport et que vous entraînez et qu'il y a des gens autour. Parfois, voilà, c'est désagréable. Et là, je vais faire une recette, les barres protéinées maison de fitness boutique. Donc je vous montre les ingrédients et vous irez voir la recette. Mais en gros avec de la whey, des flocons d'avoine, une à deux bananes, trois blancs d'œufs, sirop d'agave un petit peu, beurre de cacahuète, quelques pépites de chocolat, du lait d'amande. Voilà, vous irez voir la belle recette que je vous ai fait. Et après je vais les amener au bureau, on les goûtera cet après, voir si elles sont réussies. A few moments later. Et voilà mes petites barres protéinées. Bon, vous irez voir la recette sur le compte BodyTime Express sur Insta. Mais franchement, elles ont l'air vraiment pas mal. Je vais en emmener quelques-unes au bureau. Julie, elle a même elle m'a dit elles sont bien, elle a envie de goûter et tout. Allez au bureau, on nous livre du matos. Fitness boutique. Là, il va y avoir la salle. On a commencé à recevoir un peu. J'ai monté 2-3 trucs. Donc là, hâte de tout recevoir. On va pouvoir goûter avec Lisa, bien sûr. Yasmine, je vais lui laisser la boîte. Elle va le ramener ce soir. Elle va rompre son ramadan avec ma barre. Lisa. After you. Là, tu sais, tu es filmé. Ouais. Toute expression doit être joviale si tu veux garder un emploi sur du long terme. Ça me menace. Non, sois honnête. En tout cas, c'est beau. Sois honnête. Son honnêteté légendaire. Ah ouais, je sais, ça va se voir direct si elle aime pas. Non, vous pouvez voir derrière, parce que Lisa, elle fait beaucoup d'appels importants et tout. Côté commercial, on a mis en avant les trucs YouTube. Alors, ta première impression? Très très bon. Elle avait pas le choix. Pour une fois t'as géré. Ah, pour une fois, en plus elle en rajoute. Bon allez, à moi de goûter.
10 ans après, je lui ai dit, bon, en vrai, elle m'a dit un peu sec. Parmi moi, vous avez vu beaucoup de sirop d'agave et tout, donc je pense qu'on va mettre un peu plus de sirop d'agave. Et elle m'a dit, j'aurais mis encore plus de chocolat. C'est une abuseuse. Mais c'est vrai, franchement, c'est pratique, c'est bon. Et voilà, en fonction de ce que vous mettez en accompagnement, chocolat et tout, c'est quand même super sain. Allez, retour à la maison. Je vous en parlais hier. C'est le pack. Vous savez, si vous commandez sur Spa Alina avec mon code promo, là, vous recevez ce pack. Ça, c'est pour nettoyer l'eau. Ça, c'est pour l'aromathérapie. Vous savez, pour mettre des petits grains qui sont bons, des petits sels, tout ça. Et une éponge aussi pour nettoyer la ligne d'eau, parce que c'est comme les piscines. Voilà, ça demande un petit peu d'entretien. L'avantage de ça, une fois par semaine, vous mettez dans l'eau et ça se nettoie tout seul. T'es prêt? Ça, c'est la ligne de départ. Faut que tu recules. Recule, recule, recule. On se met derrière la ligne. Mets-toi bien près de la ligne. T'es prêt? Attention, tu partes vite. 3, 2, 1, partez! Go! Go, 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 go! Vite, 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 jusqu'au poisson, jusqu'au poisson. Tu prends le virage, oh là là, c'est un accident. Allez, on repart. Vite, 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 vite. Ouais, bravo, Dani. Check, check. Ouais. Pshhh. Tu joues à quoi maintenant? Tu joues au basket? T'es fort au basket? Tu fais la passe? Tu fais la passe? À moi, à moi, à moi. D'accord. Sympa. Alors, t'as aimé les barres? Bah écoute, j'en ai pris 3. Vous avez vu pour le bureau? Elle me dit non, franchement, moi j'ai bien aimé. Bah ouais, tu m'étonnes, t'en as mangé 4. Attends, je te mets un peu plus de lumière pour qu'on voit le crime. Franchement, ouais. Mais regarde, ton fils fait des fraises pour compenser. Tu coupes les fraises? Chef Gianni, tu coupes les fraises? Nouvelle journée mardi matin, donc je me suis levé assez tôt, je suis parti courir. Je vais faire un petit footing, en vrai c'est plus un décrassage. Franchement j'avais les jambes hyper lourdes et tout de la séance d'hier. Donc voilà, je suis allé vraiment tranquille, je suis rentré, une petite douche froide, histoire de se mettre au taquet pour la journée. Bon, je me suis habillé vite fait et là c'est parti, petit déjeuner avec aussi multivitamines, donc une gélule de multivitamines, 2 gélules d'oméga 3, une banane, 2 barres de céréales confectionnées par moi-même, elles ont l'air encore délicieuses, encore meilleures le lendemain. Et c'est parti, après on pose les petits et training. Allez, c'est parti, training avec la Sisoun. Pec, dos, épaules, séance 2 de mon training semi. Et oui, nouvel ensemble. Je pense à l'heure où vous regardez la vidéo, c'est sorti. Vous avez gris et blanc ou noir et blanc. Voilà, moitié moitié. Est-ce que vous avez un côté gentil, un côté moins gentil? Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking up. Them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up. It's the wrong tree, I got the strength. Yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. I pull up and I and I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Salut à tous, c'est Alex. Vous êtes, voilà, je suis dans le vlog de PJ. Salut, c'est PJ, je suis dans le vlog de Alex. Ah, c'est clat, hein. Vous êtes dans nos deux vlogs, les filles. Giovanni au bain, Gianni va manger, je lui prépare des pâtes. Et tellement elle a kiffé hier, Julie, les barres. Je vais lui refaire une petite série de barres protéinées. Franchement, elle a adoré. J'avoue, c'est plutôt sain, c'est rapide à faire, donc c'est parti. Et voilà, de généreuses barres protéinées. J'ai remixé un peu la recette, on va voir si Julie elle trouve. J'ai mis moitié banane, moitié date. On va voir si elle s'en rend compte. Poste de contrôle arrive au bureau. Bon, ça bosse, ça bosse. Et là, on a reçu les dalles pour la salle de sport. Voilà, donc je vais mettre ça, je vous montre l'avant-après. 1 hour later. Attention, voilà le résultat final. Donc tout ça, ce sera la salle. Il y a 60 mètres carrés. Bon, il ne reste plus qu'à monter. Tout le matos, on a reçu un petit peu. Et voilà, c'est lourd. Yeah, retour au bureau. C'est l'anniversaire d'Yasmine. Ça va? 18 ans. Ouais. Ça y est, majeur. Et donc ça, c'est le gentil cadeau de la part de Lisa. Bon, Yasmine, quand même, elle essaie de se rattraper avec une photo où elle est debout, elle la regarde vers le bas. Et Yasmine regarde vers le haut, vraiment le narcissisme. Bon, casse-toi, je récupérais un petit peu de matériel aujourd'hui. Carrelage, tout ça, je dois refaire un peu de carrelage. En fait, je vais mettre un volet roulant électrique sur la piscine. Et donc, pour amener l'électricité et tout, je vais devoir casser un peu de carrelage. Je récupère un peu de matos. En vrai, j'aime bien parce que c'est l'occasion un peu de...
de bricoler. Faut juste qu'il fasse beau, ce serait cool. Vendredi matin, Juju est encore dans le bain. Il s'est arrêté direct. Ça joue, ça profite. Tu te régales? Ouais. Bah alors? Alors, t'es beau gosse? Ouais, je sais, je suis beau gosse. Pensez quoi de la combi pour homme? À vous, c'est classe. Qu'est-ce que t'as dit? Jambes, bras, abdos. Donc, en fait, je suis en half body, donc c'est compliqué de faire 3 grosses séances de jambes, bien sûr. Donc voilà, ceux qui suivent savent, mais en gros, le lundi, c'était quand même une bonne séance, on s'est bien buté. Ouais, il a acheté un nouveau pull, il a même pas du body time. Gros, il vient de la Nouvelle-Zélande, celui-ci, attention. Excuse-nous, pardon. Mercredi, c'était plus ischio, fessier, et on a un peu plus intensité sur les bras. Et là, aujourd'hui, pareil, ça rappelle jambes, donc on va quand même plus rebosser les jambes par rapport au mercredi, mais quand même moins que le lundi. Voilà, il y a une répartition un petit peu différente, pas mal les bras et beaucoup les abdos. Tout est millimétré. Ouais, c'est... Voilà, exactement. Meilleure pub. Je vous ai parlé de la nouvelle collection ou pas encore? Bon, il y a 2 types de débardeurs, stringer et tank top, les débardeurs un peu plus larges. T-shirt, veste, 2 types de couleurs. Voilà. Avant j'étais moche dans la tête, maintenant je plais à Eva Mendes. Voilà. Petite référence, c'est non, c'est pas moi, c'est PNL. Ah, pardon. Bon, on attaque? Bah, c'est parti, j'étais. Ah, tu t'échauffes là? Je suis demandé. Ouais, dedans, on part sur les fentes arrière. Ok, après les fentes, normalement, moi c'est hack squat enchaîné overhead squat. Bien sûr, chez moi, j'ai pas le hack squat, donc on va se faire squat jump avec une petite charge, avec la 6, et enchaîner overhead squat. Overhead squat, j'aime bien le mettre dans mes trainings mi. Il se casse. J'aime bien le mettre, après c'est très technique. Vous allez voir, moi je le fais barre à vide, des fois je mets un tout petit peu de poids, mais je travaille vraiment sur toute la technique. Là, c'est pas, si vous la gérez, bien sûr, forcer et tout, mais c'est comme si vous démarrez sur du squat frontal. D'abord, bien acquérir la technique. Moi, je manque de souplesse, je manque tout simplement de technique. Je l'ai pas assez fait auparavant, donc là, ça fait quelques mois voilà, que je le mets régulièrement. Bien sûr, j'ai progressé un petit peu, mais voilà, particulièrement, je suis encore pas au top. Donc, je continue de bosser là-dessus. Donc là, en fait, je le mets beaucoup en deuxième exo. Comme ça, je peux buter avant les cuisses. Et après, bien sûr que c'est pas barre à vide où je sens les cuisses. C'est vraiment juste prendre la technique. Ça permet aussi de travailler le dos, de gagner en amplitude au niveau des épaules, de penser à bien rester gainé. Donc voilà, c'est un exercice qui est quand même vachement intéressant. Ok, training terminé, je me suis changé. C'était autour de la 6. Et Julie, pourquoi je me suis changé? Vous avez vu hier, je suis allé récupérer un peu de matos. En fait, j'ai pris un volet roulant électrique sur internet pour la piscine et je voulais l'installer. Donc, je dois faire l'arrivée électrique, casser 2-3 carreaux, passer le câble et recarreler par-dessus. Le problème, c'est que il pleut fort. Ça pleut. Donc, grosse galère. Donc, je me suis dit, allez, optimiste, j'ai tout bâché. Je me dis, je vais protéger et tout. J'ai fait ça tout à l'heure. Sauf qu'il faudrait quand même que ça s'arrête de pleuvoir pour pouvoir quand même sécher un peu et puis je puisse finir tranquille. Et là j'ai regardé la météo, c'est mort pour toute la journée, même toute la semaine. Donc je suis un peu emmerdé, donc je vais tout préparer les carreaux, tout ça. Et puis je finirai ça une autre fois, je voulais vous montrer Bob le bricolo, mais bon, tant pis, ce sera la prochaine fois. Et pourquoi j'ai pris un volet de piscine? Tout simplement parce que franchement je me suis rendu compte avec les enfants c'est chiant la bâche. Pas pratique parce que si vous montez juste par exemple manger, que vous redescendez l'après, il faut la remettre, il faut bien mettre les sécurités. Là le volet, vous appuyez sur un bouton, même sur le téléphone, ça se ferme, ça se trouve, donc c'est vachement plus pratique. J'ai pris ça sur internet, je vais leur envoyer un petit message là s'ils sont ok de vous faire un code promo, comme ça je partage ça. S'ils veulent mettre un rideau de piscine aussi, je vous mettrai le code promo. C'est parti, on va essayer d'installer tout ça. Bon, au moins j'aurais pu installer la partie leg, donc ça c'est mon tableau en fait de base. Là le tableau spécial pour le volet, du coup j'ai mis une double prise, comme ça en plus je peux brancher le frigo dessus, ça fonctionne et tout. Je vais casser les carreaux, passer le câble, tout préparer en fait. Et en tout cas, ma petite technique de la table, tu vois, d'enfant qui va absolument pas attendre, ça marche parce que le carrelage c'est en train de sécher un peu. Donc bon, je poserai quand même pas, mais au moins ça permet, je vais bosser à 4 pattes sous la table quoi. Ok, je suis sale et trempé, bon j'ai fini, je vous montre ça, enfin j'ai fini la première partie. Le câble on voit pas bien, il est en noir, mais voilà, je l'ai fait passer là, tac, il sort. Et voilà, donc le petit câble. Donc je l'ai fait sortir, tac, et ici il y aura
le poteau. Donc après, voilà, comme je disais, je voulais carreler, il pleut presque plus. Mais bon, franchement, trop la flemme. Donc j'ai plus qu'à recarreler ça, mettre la margelle, fixer là-bas les trous. C'est déjà prêt. Et voilà, je pourrais mettre mon rideau impeccable. Samedi matin, Sonia, elle est venue couper les cheveux des petits. On se fait beau gosse. Il dit rien, lui. Sonia enceinte jusque là. C'est prévu pour quand? Le 10 mai. 10 mai, elle travaille encore dans 10 jours et elle travaille, la pauvre. Ça pour toi. Ouais. Oh Radon, enlève ta musique. Ah pardon. C'était Aya Nakamura, il aime trop. Samedi matin, training avec mes copines. Radon et qui est Molière 69-10-32, on fait les pecs ou pas? Pascal et qui est quand tu me suis. Toujours. Il y a un dicton qui dit, faut assortir la casquette. Ah ouais, au ouais, basket. C'est obligé. Bien joué, je cherchais la rime. Et bien sûr, vous avez PJ de Body Time, le bogo, le noir au noir. Tu vois, assorti. C'est en 6 du train SMI. Radon, il m'a fait une petite crise de jalousie. Faut dire la vérité, cette semaine, deux, trois fois, il m'a dit oh, tu t'entraînes avec la 6 et tout. C'est la vérité. Il va faire les pecs. Radon, en plein ramadan, il est plus fort que jamais. Oh. I'm about my plan, bitch, I'm tell her out of my face if she coming with that bullshit. Put this... Oh là là, la force de l'homme. Comment vous vous sentez, monsieur Cabrière, après? Un bel échauffement. Hey, I got a blessing. Niggas talk a whole lot, know it damn well, they really can't press us. I notated on leaflet. I'm really up a few levels with it. Like way, way out the way from a king. Bon chef, vous êtes plusieurs à vouloir faire ça. C'est votre rêve. C'est votre rêve. Tout ce qui suit pour Wolf et tout. Moi, j'ai de la chance. J in my early grade step with the cheese eggs and dump things. No stunning shade still turned up. Then had it popping in broad day, that's Ivy. Flower child from the sun rays, but I run fake, got a pun. Et j'ai récupéré le camion chez Radon. T'es content? On est venu là au bureau récupérer le camion de Carlos, mes capotos. Il me le reprête, hein, je m'arrête qu'il faut pas faire les deux en même temps. Donc pourquoi? Parce que lundi, donc après-demain, on retourne avec Pascal sur circuit. Oui, on lâche pas. La moto, elle est réparée. On retourne, on va retenter ça. Radon, il viendra bientôt. Bientôt. Tu fais quoi, Gianni, comme peinture? C'est de l'impressionnisme? Non. Non, c'est quoi? C'est de l'abstrait? Ouais, c'est plus de l'abstrait. D'accord, mais faut bien le regarder comme ça, sinon on comprend pas ce que c'est. Là, d'accord, là, je comprends. D'accord, ok. C'est beau, hein? Le mélange de couleurs est très bien pensé. Ça va, Radon? Ça va, toi? Dimanche matin, vas-y, coupe ton GPS là. On va chercher la moto de monsieur Pascal Zer. Et oui, demain on va faire de la piste et il va récupérer sa moto aujourd'hui. Tu vois les mecs organisés ou pas? Dimanche après-midi. Et il a pas réservé, ça c'est sûr pour demain. Très très organisé. Voilà. Et donc il passe me chercher et tout, ça sort, ça dit bonjour à Julie, Gianni, machin. Et tu vois, Radon il sort. Je suis vite rentré dans la voiture pour prendre la place avant, il était dégoûté. Il m'a dit attends, je récupère mes affaires. Il m'a eu, normalement j'étais devant. Parce qu'on connaît l'excuse, j'ai mal au genou, j'ai mal assis, j'ai mal mais à c'est ça. Vrai, j'ai vraiment mal. Ouais, et bah c'est pas grave, t'as mal derrière, c'est pareil. Exactement, je suis allongé. C'est tout bon pour demain, on assure le coup pour demain parce que bon. Faire 2 minutes au cas de moto. Où, au cas où il me recasse mon radiateur. Ouais bien sûr. Faire 2 minutes de moto ça va un moment quoi. Tu trouves il ressemble à qui Pascal? Michael Caine. Michael Caine. Ma famille d'abord. Et toi Pascal, tu trouves tu ressembles à qui? Moi perso, je dirais plus Dwayne Johnson. Non mais je dirais plus Dwayne Johnson. Mettez en commentaire, vous trouvez que Pascal il ressemble plus à Dwayne Johnson? Attendez. Ah mais d'accord, ton tatouage ressemble à celui de Dwayne Johnson. Il y a le tatouage, allez voir, j'ai un tatouage. Moi c'est la première fois que je l'ai vu. Et apparemment, voilà, ses filles, machin, tout le monde lui aurait dit tu ressembles à Dwayne Johnson. Pas tout le monde, il y a des gens qui me disent Dwayne Johnson, ouais, je verrai bien faire l'arrêter, et il y a des gens qui me disent Michael Caine. Ah, d'accord. Oui, frère. On va faire un sondage, mettez en commentaire. Il se la racle. On a vu la moto, on est passé à côté là, on va aller sur le parking, il se la racle et dit ah, il est vraiment beau le garde-boue et tout. C'est une moto de piste. C'est pas bien, Radon, c'est pas bien. C'est une moto des années 50. Je vais vous montrer ça. Non, elle est bien, c'est une moto de piste. Voilà la bête, Pascal, il va la tester. Oh, dites-vous, elle est de 88. Mais franchement, elle a de la gueule. Hein.
Il dit elle a de la gueule, mais il s'est déjà foutu de ma gueule au moins 10 fois, je crois. Non, pas du tout. C'est Radon qui se moque. Oh. grosse galère. La moto, elle est tombée. Donc là, du coup, on est en pleine route et on galère à remettre. Rond-point, les voitures qui passent, c'est la merde. C'est la merde. Il va monter sur la moto. Ça, Pascal ? Voilà, incompréhensible sa moto. On la serre au max, on la baisse. Les suspensions, elles sont enterrées. Et le machin, il bouge quand même. Vous êtes dégoûté, Pascal ? Il fait froid, il pleut. Il va perdre la moto, franchement, c'est une galère. Pour combien de temps, je sais pas, mais on est reparti. Ça tient pour l'instant. Non, en vrai, c'est vraiment bizarre. On l'avait bien sanglé, mais elle, je sais pas, franchement, elle glisse sur le côté. Aucune idée. Bref, là, normalement, on a fait au max. Ouais, c'est chaud. Pascal, il est comme ça. Ouais, je suis pas sûr. Allez, c'est parti. Je suis devant chez Pascal, donc on retourne au circuit. Vous savez, quand vous allez faire comme ça du circuit moto, il y a deux choses vraiment les plus importantes. C'est la moto, bien sûr, et faut avoir son permis ou sa licence pour arriver, pour avoir le droit de simplement de faire sur le circuit. Donc là, je récupère Pascal. Je lui dis c'est bon, donc on a chargé sa moto. J'ai dit t'as les chicanes, faut qu'il remette ses chicanes dessus. Je lui dis t'as tes chicanes, ouais, t'as ton permis. Il me répond pas. 5 secondes, 6 secondes. Je lui redis Pascal, t'as ton permis? Ouais, attends. Hop, il est parti en bombe. Il est retourné en courant chercher son permis. Donc franchement, le mec, je peux pas dire, mais je suis un peu son tonton quand même. Regardez-le. Fait le beau gosse. Sans moi, il allait là-bas, il pouvait même pas faire un tour. Bon, je m'arrête, je suis mauvaise langue, il avait le permis dans le sac à dos, mais regardez, cette fois. Ouais. Pas, il m'a dit, j'ai pas fait la même erreur. Casquette bleue assortie au pantalon, le mec, ouais. il se fait c'est des dingueries. Ouais, il se fait des dingueries. C'était pas mon gosse la dernière fois, ça m'a dérangé. Ah, d'accord. Bon. Ça c'est du PJ comme je connais. Il est venu une première fois, tranquille, machin, tout ça. Là maintenant le mec il s'est équipé. Là, au calme, tranquille. Oh là là. Ah là, il manque, là, il manque là. Un peu hein. Comment ça s'appelle ce que t'as dans la main? Ouais, tu connais. Bon, on pensait passer inaperçu. Là, il y a un mec qui est arrivé, un des organisateurs. Il arrive, il fait « Comment ça va les brise-fer? Vous allez bien ?» Et après, il dit à PJ « Ouais, mais PJ, ouais, mais c'est toi qui avais cassé la moto. » Je fais « Oui, c'est lui. » Non, c'est Pascal. Pascal, il l'avait endommagé. Deuxième session. Donc là, voilà, voici ma moto. Pascal, il y a sa moto qui s'est fait. Ah, il est arrivé. Alors, on a fait la tondeuse. Ça a fini sur la pelouse, ils ont coupé la session, remorqueuse et tout. Oh, nous, ils doivent nous détester, nous. Ouais, grave. Et en fait, j'arrive dans le virage et tout, je dépasse un mec et je sentais déjà que l'avant, ça partait, l'avant. Et là, l'avant a chassé. Ah, t'as glissé sur le goudron d'abord? J'ai glissé sur le goudron d'abord. Là. En fait, quand j'ai vu que c'était chaud, je suis allé tout droit, j'ai laissé. Ouais, comme j'avais fait. Après, l'avant a chassé. Mais t'es pas fait mal? Non, ça va, j'ai glissé, franchement, ça glisse bien. Et la moto, juste, voilà, elle a tendu un peu la pelouse, mais sinon ça va. Ah, la moto, non, elle tient. Ouh, bon, on a terminé, tout le monde est entier. T'es entier ou pas? Journée terminée et on a fait la journée complète. Et les motos vont bien. Enfin, la brouille, voilà, je savais. À un moment donné, PJ, c'est comme un bonbon. Ça revient, ça revient tout le temps. Et surtout, il sait très bien sur quoi je vais le changer. C'est que lui, il a arrêté la session, drapeau rouge, arrête la session, il est parti avec la remorque le chercher et tout. Il se relève, il lui dit non, mais ça va. Et il avait le seum. Il est toujours dans l'exagération. C'est parce que simplement, j'ai enlevé mon casque et je n'aurais pas dû faire ça. Voilà, simplement. Est-ce que t'as kiffé? De ouf. Bon, voilà, le vlog qui va se terminer comme ça. J'espère que vous avez kiffé. C'était franchement très très lourd. J'ai amélioré un petit peu les temps, 2 secondes et demie plus rapide. Donc, toujours ça de prix, même si j'espérais mieux. Et super sensation, on s'est régalé. Je suis dans le noir, frère. Allez, à bientôt. C'est quand je suis bon, c'est quand je suis mauvais. Quand je pleure, je n'ai que des remèdes. Rap, c'est McDo, je suis José Bové. Jamais hésité, j'ai osé poser. Tu crois que je vais lâcher, tu me méconnais. Frérot, même en Inde, je vais décoller. Je suis grand étalon, son petit poney. J'ai très grosse équipe, je suis bien épaulé. T'es une photo, tu fais de la peine. Ta mère la mesquina, regarde-moi bien et prends-en de la graine. Comme j'ai pris sur mes soldats, je côté le sol pour sentir la déco. J'avais du château dans un Algeco. Envoyer des pics, je prends de l'apéro. Je te vise jamais, c'était pas très haut. Je suis pas patriote.
pas faire, je suis humaniste. Me mettez bien la mif en haut sur ma liste. On fera un tabac comme les pluralistes. On monte un empire même si ça pue la crise. Petit, je voulais déjà tout faire seul. J'avais déjà un penchant pour l'oseille.